Bonjour, donc ici c'est une petite application qui montre la théorème de la centrale limite donc quand on a une variable aléatoire qui est ici d'une même distribution et qu'on répète l'expérience on obtient toujours la même euh, forme, qui est une distribution normale et donc euh, là ce sont deux expériences qui permettent de tester ça, donc on va lancer des balles et donc on voit les balles qui descendent et chaque fois qu'elles euh, touchent le fond ici, il y a une barre qui est créée. Alors, cette barre là, ce n'est pas le nombre de balles qui est rentré dedans, c'est la proportion du nombre de balles par rapport au nombre de balles totales qui sont arrivées en bas. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours un qui sera plus haut que les autres. Et euh, voilà. Et c'est aussi pour ça que ça peut descendre. Donc, on voit qu'il y en a qui redescendent parce que bah, il y en a moins qui sont moins de balles qui proportionnellement sont tombées dans ce trou entre guillemets là et donc du coup bah, ça perd en importance et donc la barre devient plus petite si on accélère un peu déjà on voit qu'ici on a le milieu qui est favorisé alors si on accélère un peu alors là on voit que ça se stabilise donc euh, le milieu il bouge plus trop et plus on s'écarte du milieu, bah, moins ça bouge et alors à un moment donné, bah tout va s'arrêter parce que on aura tellement d'itérations <laughs> qu'on sera très proche de la courbe cible donc de la limite en fait. Et voilà et donc ici. Voilà, c'est déjà assez stable après 2300 et des voilà. Donc, si on met 2500, ben là voilà, ça bouge plus trop quoi. Alors, on peut tester aussi avec une autre expérience c'est à lancer de dés. Donc, ici on a les sommes de 5 à 30, donc on a 5 d Donc, ça c'est le 5 c'est 5 fois 1 et le 30 c'est 5 fois 6. Alors si je lance, voilà, on voit directement que le centre a pris plus d'importance. C'est en effet puisqu'il y a plus de possibilités d'additionner de, pour avoir 18 que pour avoir 30. Puisque 30 ou 1 ou 5, il faut que les 5D affichent les mêmes points. Alors que pour 18, il y a différentes combinaisons. Et donc là, on a le lien entre les deux, en fait, entre la loi normale et la loi binomiale. La loi normale étant la limite de la loi binomiale. Voilà. Alors quand il y a un écart type de 1 et une moyenne de 0, c'est la loi normale standardisée. Et donc voilà, là, euh, ben, on voit que ça s'est stabilisé sur... Cette courbe-là, si je relance... On voit que le début est assez différent. Mais toujours avec le milieu qui a une certaine importance. Mais on voit que ben, les, les côtés s'aplatissent. Les deux extrémités. Et que le 17 est très très au-dessus du reste. Et donc, plus le nombre de lancers est important, plus la courbe va voilà, épouser la loi normale. Et donc là, on se retrouve avec une courbe très similaire, si pas identique, à ce qu'on avait précédemment. Et donc ça c'est le euh, théorème central limite. Et donc c'est très utile puisqu'on peut du coup évaluer la loi binomiale. On peut l'approximer avec la loi normale. Et avec un peu de calcul, on peut utiliser la loi normale standardisée et un peu euh, tweaker pour euh, ramener des variables. Qui sont exprimés dans une loi normale, en variable exprimée dans la loi standardisée, pour laquelle on a des tables. Donc il suffit d'aller lire les bonnes valeurs dans la table, et puis de faire la conversion dans l'autre sens. Voilà. Et donc, du coup, on n'a qu'une table à utiliser, ce qui est beaucoup plus facile. On pourrait utiliser une intégrale, mais les tables qu'on a sont assez précises. Donc. Bah, oui, c'est plus simple en pratique d'aller chercher dans la table que d'utiliser euh, l'intégration. Voilà, voilà. Donc c'était la petite démo. Et donc voilà, là, on a notre petite balle. Et on voit que bah, on a le même genre de courbe. Voilà. Et en fait, les deux exemples sont les mêmes. Ça n'a pas l'air comme ça, mais si on réduit ici, pour arriver ici, on pourrait dire, voilà, il faut aller, par exemple, pour à gauche, il faut aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 fois à gauche. Donc ici, ce serait moins 10. Là, à droite, ce serait plus 10. Et là, au centre, ce serait moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, etc. Donc ce serait 0. Et donc, euh, ben, ce serait les combinaisons de somme de non, qui vont de euh, moins 1 à 10, enfin, 10 donc chaque fois plus 1, moins 1 <coughs> voilà donc c'est une, une somme qu'on effectue en fait, où aller à gauche c'est moins 1 et aller à droite c'est plus 1 donc on a une somme en fait là derrière tout comme avec nos dés on avait la somme des dés donc c'est assez normal qu'on se retrouve euh, avec la même courbe voilà ouais alors, on va retrouver ça, cette distribution aussi avec la taille, par exemple le poids des personnes. C'est une distribution qu'on va vraiment trouver partout. Si on fait passer des examens à contrôle, pareil, on aura beaucoup de personnes qui seront autour d'une moyenne. Et ça, ça dépend un peu du de la difficulté du test. Et puis, un écart type plus ou moins grand, hein, suivant la, la composition de la classe. Et avec euh, ben très peu d'élèves qui ont tout à fait raté, très peu d'élèves qui auront fait 100%. Voilà. Et donc, ça suivrait à peu près la même courbe, un peu décalée, ou un peu euh, élargie. Voilà. Mais tout ça peut toujours être amené à la loi normale standardisée. voilà. voilà.